Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog, c'est dimanche matin. Je vais un petit peu mieux au niveau du moral, tout ça, de toute façon on n'a pas le choix, faut y aller. Mes lèvres, ça tiraille parce que c'est en train de cicatriser. Là on s'apprête à aller chez des amis sur Chartres à un barbecue. Il y a Eric là qui est déjà passé. Et on est devant Inter pour prendre 2-3 choses et notamment il me faut de la vaseline parce que j'ai pu la crème, j'ai tout utilisé. Il y a la vaseline qu'il me faut. Et bouteille d'eau, enfin avec la canicule qui arrive, on a 2-3 petites choses à prendre. Donc je vous reprends juste après. Oh, je suis dégoûtée, il n'y a pas de vaseline. Il va falloir que j'attende demain, mais là ça tiraille tellement. En plus ça ferme dans 2 minutes. Vas-y. Oh, bah, ils ont carrément éteint tout, ça veut dire il est temps que vous partiez les gars. On a quand même assuré. Hein. T'as pas trouvé que les gens étaient agacés? Agacés pas. Je sais pas, peut-être la chaleur qui fait ça. Ça s'énerve vite. Okay. Bon, en même temps, faire ses courses un dimanche à midi moins 10 alors que ça ferme à midi. Faut gérer faire ça. Ah ouais, mais bon. Qu'est-ce qu'il faut jamais faire? Faire tatouer les lèvres au mois de juin quand il y a une canicule. Ouais, mais je pouvais pas la prévoir. Et voilà, c'est les couches d'épiderme. Ouais. Qui se remplacent les unes après les autres. C'est assez impressionnant quand même, Chartres, de comment c'est devenu très beau. Ouais, ça fait. Bon, bah, je vous prends rapidement ici parce que je ne vais pas filmer, tout le monde est dehors, enfin il y a du monde, on va éviter. Mais tout se passe bien. Oh merde. Non, mais voilà, bravo. T'as filmé ou pas? Ouais. Je filme déjà? Non, j'ai pas touché avec mes doigts. Tu peux me dire un peu, Gilles, ce que t'as mis dans ta salade? Oh la vache, regarde. J'ai mis des tomates à l'ancienne, hein, de la cœur de bœuf, c'est bon, tomate ça. Ananas, de la tomate... C'est quoi la verte déjà? J'ai oublié le nom. Ah mais c'est toi le pro, je ne connais absolument pas en... Tomate verte là, c'est connu. J'ai un trou de mémoire là, à cause de l'apéro sûrement. Peut-être. Et là j'ai rajouté à la fin des oignons frits pour... c'est ça qui a l'air top. Il y a de l'endive, il y a des poivrons que j'ai fait mariner toute la soirée là, avec de l'ail et... Et du romarin. Donc, en fait, tu vas apporter un peu de croustillant. Exactement. Yes. Le croustillant avec les endives et l'oignon frit et les oignons rouges aussi. D'accord. Gilles, que je ne vous montre pas, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ose pas, mais vous savez qu'Eric, vous commencez à le connaître, Eric. Eric fait 1m92. Mais là, on est sur un spécimen. Vas-y, montre. Non, mais déjà, dis combien tu mesures. J'ai jamais vu ça. 95. Et est-ce qu'on peut dire que tu as pris des hormones pour arrêter de grandir? De toute façon, c'est dit. Aussi. Tu fais. Ah, non, tu fais pas 95, tu fais plus. Ben, je faisais plus, mais avec l'âge, maintenant, je me suis tassé. En fait. Bon, Gilles, montre ce que ça fait un gars qui fait 1m95. Tu vois, je peux même pas filmer sa tête. Il faudrait mieux que tu fasses un selfie. Avec moi. Voilà. S'il fait un selfie, on voit pas ma tête. Tu vois, c'est comme dans les vieux films. Oh, truc de fou. Mais toi, de profil? Oh là là, j'étais pas au courant, ils ont des chatons. Apparemment, il a 3 semaines. Entre ta bouille, petit chat. Oh, que t'es mignon. Non, mais c'est du craquage là. C'est pas possible. Le bébé. Il y en a 3 comme ça. T'entends le petit miaulement? Ouais. Ah non. Ah non, regarde, c'est la maman. Mais elle est toute fine. Tu penses que je peux le descendre? Ah, mais elle est. Mais elle est petite. Elle est partie, la mère. Faut que je vous montre en fait. On a la maman qui était en train de chercher son petit. Et oh là là, la maman va ramener son petit. Mais c'est trop mignon. Non, mais non. Ouais, ça j'adore. Mais elle lui fait mal. Non, 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 non. Elle le choque que par la peau, t'inquiète. Oh non, mais non. Mais attends, je n'ai que le monter. Non, non, elle va pas vous voir, t'inquiète. Elle va le faire. Elle ramène son petit dans le dodo. Mais je n'en reviens pas. Elle est en train de ramener son bébé. Mais j'en peux plus, comme je craque. Mais oui, c'est bien, ramène ton bébé. Oh là là, mais c'est... Je viens d'assister à un truc, je vais pas m'en remettre là. On a oublié le dessert. Donc on va essayer de trouver une boulangerie, pâtisserie ouverte. On a 3 minutes. 3 minutes de la boulangerie. Ok. On a 800 mètres. D'accord.
Oh ouais, non, mais tu rigoles, je suis en talons, moi. Carrément. On regarde. On va partir là-dessus, hein, tant pis. Je sais pas ce que t'as dans la banane. Ah bon ? Je sais pas. Voilà. On va réfléchir. Je vais voir ce qu'on voit. On est sortis, comme vous le voyez. Et il fait très, 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 très chaud. Et comme d'hab, on n'a pas la clim. On a triomphe. Une voiture anglaise. Ah, oh, j'ai renversé toute la flotte partout, je suis nulle. On vient de rentrer, la maison est super fraîche. On dépose juste ce qu'on a pris, je nourrissais Jack. On repart, je vais juste voir ma maman. Et ce soir, on regarde le match. C'est un match de qualification. C'est vrai. Je vous ai montré ou pas comment j'étais habillée en fait. Tu pourras me filmer tout à l'heure quand on marchera. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu t'es renversé tout. Non, non, non. C'est qu'il y a un animal poilu. Quoi? Qui met des poils partout. Ah. Si je trouve lequel c'est. Pas du tout. Pas du tout. Il dit qu'il va bientôt être remplacé. Jamais. Jamais. Et même si je craquais pour un des bébés chats, Jackie, il sera toujours là. Je suis sûre qu'il s'en occuperait bien du bébé chat. Ça commence par les chats, ça finira par moi. De quoi? Que je vais t'abandonner? Ouais. Mais n'importe quoi. Le jour, je serai remplacé par un plus jeune et un plus beau. Mais bien sûr. Allez. Allez, je vais. Ouais, moi aussi, parce qu'on a quand même laissé la voiture devant. Pff, j'ai chaud. Hop. Ça, c'est la bouteille qui s'est renversée. Hein. Elle est confort, hein. En fait, je suis habillée en Chine. J'avais même pas fait gaffe. Il y a une barrière, bébé. Je te voyais reculer. Tu parles, ils sont enfermés à la fraîche. Je suis sûre qu'ils sont même pas sortis de la journée. Et encore, c'est vraiment pas le jour où il fait le plus chaud. Quoi. Il me semble que ça va être vendredi, jeudi. Alors, on se retrouve aux urgences pour quelqu'un de ma famille. Il était 19h30. Il est 22h, je suis toujours aux urgences, on attend. Et une chaleur, c'est pas possible, on est mieux dehors. Allez, 23h30, on sort tout juste. Il est minuit moins le quart, et on avait oublié de ranger les croquettes. Il y en a un qui a sauté sur l'occasion. Maman n'est pas contente. Non, bon sinon, on n'a pas mangé. Il est minuit moins le quart, mais tu vas manger toi? Non. Moi non plus, je crois. Non. Par contre, demain matin, je vais au petit-déj. On va se faire un bon petit-déj. Encore toutes les courses de ce matin, là. Parce que c'était pas prévu qu'on aille aux urgences pendant 4 heures. Mmh. Tiens. Le petit café. Mes cotons. Ça, c'est... Ah ouais, je vais le tester. Mais enfin, Jack, tu as dû à manger déjà. Ça. Pour la canicule. Tu es à manger? Bah oui! Jacques! Et ça, c'est le monsieur, s'il te plaît. Tu as volé tes croquettes? Puis, tu n'es pas gentil. Tu fais demander. Oui, mais j'arrive pas à être méchante avec mon Jackie. Voilà. Toi, on parlera après. Je suis gaga. Viens me dire ce qui se passe, mon petit pépé série. Oh oui? Hein? Tu as fait des bêtises? Tu as fait les bêtises? Pourquoi tu as fait les bêtises? Viens me dire. Hein? Faut pas faire ça avec les croquettes. Oh, c'est quoi cette tête? Et vous savez quoi? J'ai osé. Comme mes lèvres, ça me tirait et tout. J'ai demandé carrément d'urgence, ils m'ont mis de la vaseline. Oui, c'est super cool. Donc demain matin, première heure, vaseline dans pharmacie. Et puis, ben, un bon petit déj, quoi. Voilà, là, je vais me prendre un cache pour la tête, par contre. Vous en foutez? Je comprends. Sur ce, je vais clôturer maintenant. Vous faire un gros bisou et vous remercier encore de m'avoir regardé. Oh, cache-toi! Allez, salut!